Saint-Hurlé, Kelly. À mon ami Ernest B. Quand tout sera fini, quand les plaines profondes qu'excitera le sourd bouillonnement des ondes sous les pas des derniers marcheurs s'entr'ouvriront, quand les derniers rayons d'étoiles s'éteindront, quand les murs des cités s'écrouleront dans l'ombre, quand les noirs océans pleins de vagues sans nombre couvriront les humains prosternés à genoux, le Seigneur Tout-Puissant se lèvera sur nous. Alors, même dans l'ombre où flottera la terre, dans le recueillement et dans le deuil austère, et dans le grand fracas et dans la grande nuit, au-dessus des chaos des globes et du bruit, des âges refluents ainsi qu'une marée, l'Orient s'emplira d'une lueur sacrée. Et deux astres naîtront, éblouissants et clairs, dispensateurs de feu, de rayons et d'éclairs, d'où l'on verra couler des torrents de justice. Et l'on verra planer longtemps sur le solstice, et de là regarder le monde agonisant, et ce seront les yeux du Seigneur Tout-Puissant.